si j'étais à la place de ces personnes, et à moi-même, qui suis-je? Et cette question nous amène à nous poser des questions fondamentales. Et quand je me suis interrogé, j'ai médité, j'ai eu une idée géniale. Je me suis dit, mais lui qui pose la question, mais il est humain comme nous. Quand il dit aux autres, tu me connais, ça veut dire, nous avons des points en commun. Qui est-il? C'est un mortel. Moi aussi, je suis mortel. Lui aussi est mortel. Qui est-il? Mais c'est une personne qui a un corps et un esprit. Mais qui est-il? Je te connais parce que nous avons en partage les mêmes réalités. Tu es un être émotif. Tu es un être réfléchi. Tu es un être en situation. Tu es un être historique. Nous sommes pareils. Donc, on ne peut pas poser cette question aux autres. Tu me connais. Sinon, ça va nous amener à nous poser une autre question. Mais qu'est-ce que la nature dans tout ça? La nature de l'homme. Et qu'est-ce que la culture dans tout ça? La culture de l'homme. Et finalement, on peut se dire, aujourd'hui, nous allons voir, aborder notre thème 4. Notre thème 4, qui est intitulé Nature et culture. Nature et culture. Nature et culture. Mais avant d'aborder ce thème, il y a quelque chose que nous devrions savoir. S'il y a nature et culture, il y a un élément qui attire mon attention. Vous aussi, ça attire votre attention. Regardez, dans la proposition nature et culture, qu'est-ce qui apparaît comme un accident ici? Qu'est-ce qui apparaît comme un accident? Comme un être, oui? C'est nature. Non. Quel est le mot qui est étrange ici? Supposons que nature soit un mot connu. Supposons que nous connaissions le mot nature et le mot culture. Quel est le mot qui paraît bizarre ici? Et pourtant, il est familier, oui? Le mot est. Mais est c'est quoi? Et c'est quoi? Qui connaît? Qui peut nous dire oui? Une conjonction de coordination. Et cette conjonction de coordination marque quoi? Conjonction de coordination. Cette conjonction de coordination marque... Oui? Marque l'addition. L'addition. Quoi encore? On peut ajouter un mot simple qui est proche d'addition. Oui? L'ajout. Bien sûr. Ah, que vous êtes génial. Bien. Ici, addition, ajout. Mais en réalité, c'est un lien d'addition ou un lien d'ajout. Donc cela nous ramène finalement à ce que nous allons découvrir dans ce thème. L'objectif général consiste à comprendre les rapports qui existent entre la nature et la culture. Et ça, c'est l'objectif général. Et de façon particulière, nous allons commencer à voir ce thème. Et thème veut dire cadre général dans lequel nous nous trouvons. Ici, le cadre général, c'est le cadre de la nature et la culture. Et finalement, quel est notre problème? Notre problème, aujourd'hui, ici et maintenant même, c'est de voir tous les problèmes ou toutes les situations qui sont liées au concept nature et culture. Bien sûr, on commencera par expliquer le concept nature et le concept culture. Et on passera à la problématique de la nature humaine et sans oublier une figure de la culture, le travail. Et en série A, ils ajoutent l'art.
qui sont des figures de la culture. Mais nous, nous allons nous arrêter au travail. Et aujourd'hui, pour commencer, nous allons d'abord prendre notre introduction. On écrit « introduction ». Introduction. Introduction. Est-ce que tout le monde a écrit introduction? Est-ce que tout le monde a écrit introduction? On note, de tous les êtres naturels, virgule, l'homme est le seul qui ne se contente pas seulement de ce qu'il tient de la nature. De tous les êtres naturels, l'homme est le seul qui ne se contente pas seulement de ce qu'il tient de la nature. Je reprends pour la dernière fois. De tous les êtres naturels, l'homme est le seul qui ne se contente pas seulement de ce qu'il tient de la nature. Est-ce que tout le monde est à la page? Virgule. Mais il va au-delà du cadre naturel. Mais il va au-delà du cadre naturel. À travers la production des biens utiles. Le mot « existence » ne prend pas « a ». Ça s'écrit avec un « e » et un « c ». Au-delà de l'existence. À travers la production des biens utiles à son existence. Point. C'est ce qui justifie sa dimension culturelle. C'est ce qui justifie sa dimension culturelle. Point. Ce passage de la nature à la culture s'accomplit notamment, grâce au travail et à l'art. Vous mettez un point. Cependant, comment s'écrit le mot cependant? Oui. C'est collé ou c'est séparé? Très bien. Donc, cependant, virgule, le problème est de savoir comment évaluer. Le problème est de savoir comment évaluer la part respective de la nature. Comment évaluer la part respective
de la nature et celle de la culture. Cependant, virgule, le problème est de savoir comment évaluer la part respective de la nature et celle de la culture dans la définition de l'homme. Point. Dans la définition de l'homme. Point. Dans la définition de l'homme. Point. Dès lors, dès lors, virgule, qu'est-ce que la nature? Dès lors, virgule, qu'est-ce que la nature? Dès lors, qu'est-ce que la nature? Point d'interrogation. Quel sens convient-il de donner à la culture? Quel sens? Le mot sens ici signifie quoi? Quel est le contenu qu'on peut donner au mot sens ici dans cette phrase? Quand on dit quel sens convient-il de donner à la culture? Oui? Non. Qui peut dire mieux? C'est un mot que vous connaissez, c'est un mot simple. Quel sens faut-il donner? Quel sens convient-il de donner à la culture? Quel contenu? Quelle signification? Quelle connotation? Vous le connaissez. J'ai précisé pourquoi. Parce que le mot sens a aussi une autre signification. Sens veut dire aussi direction. Orientation. Nous avons fait la nuance, établi la nuance entre un concept et un mot. Mais le plus important pour nous, c'est que nous avons planté le décor dans ce thème. Nous allons voir tous les problèmes liés au concept nature, jusqu'à voir est-ce que l'homme a une nature, ou encore est-ce que l'homme est un être naturel. Et continuer avec le concept culture, pour se poser la même question, l'homme a-t-il une culture, ou l'homme est-il un être culturel? Et au finish, voir s'il y a un rapport ou non, s'il existe un rapport véritable ou fictif entre les deux concepts. Mais n'oubliez pas, lorsque nous établissons ce rapport entre les deux concepts, c'est toujours par rapport à l'homme. Toujours par rapport à l'homme. Lorsque nous allons dire, y a-t-il un rapport entre la nature et la culture. La culture, c'est l'homme qui la crée. Et la nature dont il est question ici, c'est celle qui existe indépendamment de la volonté de l'homme. Mais nous y reviendrons. Là, nous avons planté le décor. Et après, la nature, le concept nature et culture défini, nous allons voir la problématique de la nature humaine, voir si l'homme est plus influencé par la nature ou par d'autres éléments. Et nous allons aborder quelques éléments de la culture, dont le travail. Et dans le travail, nous allons examiner sa définition ou ses contenus, sans oublier sa valeur, sa nature, sa fonction, à travers des auteurs philosophiques qu'on nous a proposés dans le programme. Voilà un peu le décor planté. Maintenant, en dehors de ce thème, qui peut essuyer les écrits? S'il y a un élève. Donc, à part le décor planté,
nous allons aborder notre première leçon. Essuyez là-bas. Essuyez aussi ici. Oui, le titre aussi. Hein. Donc, notre première leçon sera intitulée Les différentes acceptions. Vous mettez en gros caractère les différentes. Les différentes acceptions. Les différentes acceptions des concepts nature et culture, les concepts nature et culture. Ça, c'est notre première leçon concernant le thème 4 intitulé Nature et culture, qui a pour objectif général, donc le thème qui a pour objectif général de comprendre les rapports qui existent entre la nature et la culture. Et ici, nous avons pour mission, j'ai la mission de vous amener, toi élève, vous élève de cette classe, d'être capable, vous devriez être capable Donc, à la fin de cette leçon, à la fin de la séance ou la leçon portant sur les différentes acceptions portant sur les différentes acceptions des concepts nature et culture. Toi, l'élève de la terminale C, l'élève doit être capable de distinguer au moins deux des trois différentes, acceptions des concepts nature et culture. À partir des connaissances acquises
partir des connaissances que vous aurez reçues, à partir des connaissances acquises. Nous disions bien à la fin de cette leçon. Voici notre objectif de la leçon, ce qu'on appelle objectif opérationnel. C'est-à-dire à la fin du cours de la leçon, portant sur les différentes acceptions des concepts nature et culture, toi, l'élève de la terminale, sais, pour l'instant, pour toi qui me suis, tu dois être capable de distinguer au moins deux de trois différentes acceptions des concepts nature et culture à partir des connaissances acquises, donc que tu auras découvertes ou reçues. Maintenant, on peut jouer à un petit exercice. On peut faire un petit exercice. Oui. Vous pouvez essuyer. Qui peut se souvenir de l'objectif opérationnel qu'on a mis au tableau? Qu'est-ce que tu dois être capable de faire à la fin de cette leçon? Qui peut nous rappeler cela? Oui. Oui. Des concepts nature et culture. À partir des connaissances que nous aurions acquises. Très bien. Est-ce que tout le monde a suivi? Bien. Après cela, nous pouvons rapidement jeter un coup d'œil sur les notions passées. Avant de voir cette notion, nous avions vu le thème 3. Qui est intitulé Logique et connaissance. On va faire juste une révision rapide ou un rappel. Ça, c'est le thème 3, logique et connaissance, ou la logique et la connaissance. Qui peut nous rappeler les notions fondamentale que nous avions vu en abordant ce cours? Il y a au moins quatre grandes notions fondamentales qui constituent l'ossature du cours que nous avions déjà vu, qu'on appelle thème 3, intitulé La logique et la connaissance ou la logique, ou logique et connaissance. Qui peut se souvenir au moins de deux grandes notions vu dans ce cours, oui. Deux notions. Nous avons la logique. La logique, très bien. Mais tu étais où depuis ce temps-là? C'est toi qu'on attendait, puisqu'il y avait le silence de mort ici. Il y a, donc, parmi les notions fondamentales, la première notion, logique. Oui, la deuxième. Et la logique dialectique. C'est dans la logique. À part la logique, oui. La connaissance, bien sûr. La connaissance. Mais s'il n'y a pas la connaissance après la logique, qu'est-ce qu'on va voir encore? C'est impossible. La logique va de pair avec la connaissance. La logique aboutit toujours à une certaine connaissance. Mais après la connaissance, quelle autre notion? Oui, mademoiselle. La vérité. Mais que vous êtes super. La vérité. La vérité. Mais est-ce que la vérité est souvent seule? Est-ce que cette notion est souvent célibataire, entre guillemets? Oui? Mais la vérité va toujours avec l'erreur. Et nous avions l'erreur. Mais voici les quatre grandes notions qu'on a abordées dans le thème 3. J'allais utiliser beaucoup d'autres rubriques, mais pour des besoins de temps, je prends seulement une rubrique. Voici les notions fondamentales
que nous avions abordés. Et quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes majeurs, problèmes philosophiques que nous avions abordés au niveau de la logique? Tu peux citer même Dieu. On n'est pas obligé de tout citer. Je peux vous aider. Le premier problème, la définition. On a défini la logique. Le deuxième, oui, l'historique, c'est dans la définition. Donc nous avons la définition de la logique comme premier problème. Oui, le fonctionnement, bien entendu. Oh, que vous êtes particuliers, ces élèves. Le fonctionnement de la logique. Qui peut ajouter en dehors du fonctionnement? Oui, les principes de la logique. Oh, si tous les élèves du Congo pouvaient réagir comme vous, le bac serait une mince affaire. Bien, on peut aller au-delà. En dehors de cela, au niveau de la connaissance, qu'est-ce que nous avons retenu? La connaissance, quels sont les problèmes philosophiques, les problèmes qui suscitent la réflexion, qui bousculent l'âme de l'homme qui entend le terme connaissance. 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 On vous écoute. Quels sont les problèmes? Oh, comme toujours, il y a le premier problème qui est familier. Oui? La définition, toujours. Toujours. Il y a la définition de la connaissance. Autre chose? À part la définition de la connaissance, qu'est-ce que nous avons encore abordé? On ne s'est pas posé la question d'où vient la connaissance? Comment arrivons-nous à connaître? Cette question pose quel problème? Oui. Mais le problème de l'origine ou des sources de la connaissance. Origine, autre problème. Autre problème, origine ou source. Autre problème. Nous sommes en train de réviser rapidement. Sinon, je pouvais ajouter des rubriques, les auteurs qui vont nous permettre de comprendre cette grande notion à travers ces différents problèmes. Je peux ajouter encore d'autres rubriques. Mais pour des besoins de temps, on s'arrête à deux rubriques. Oui, la vérité. Quel est le premier problème? Oui, au fond, là-bas. La définition, bien sûr. Définition de la vérité. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Qui peut esquisser la réponse? C'est un problème parce que tout le monde... Est-ce que tout le monde définit la vérité de la même façon? Comme chacun définit la vérité à sa façon, il y aura plusieurs vérités, donc plusieurs définitions. C'est un problème. Un autre problème au niveau de la vérité. Un autre problème. L'origine de la vérité. Oui, c'est un problème, mais on ne l'a pas vu. Oui, un autre problème. Au niveau de la vérité, on n'a pas vu les caractères. Les caractères de la vérité, c'est-à-dire les caractéristiques ou les signes distinctifs de la vérité, les caractères de la vérité. Mais il y a aussi un autre problème. On répond à cette question pour trouver ce problème. Comment arrivons-nous à connaître? Quelle est la condition qu'il faut remplir pour connaître? Oui. Non, pas la méthode, oui. Non plus, oui. Non plus. C'est un mot que vous connaissez. J'ai pris condition pour essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller dans la recherche. Oui. Les critères de la vérité. À quelles conditions arrive-t-on à la connaissance? Mais à partir des principes, des lois, des règles. C'est ce qu'on appelle critères. Critères de la vérité. Mais il y a aussi un problème que nous avions vu, celui du rapport que la vérité entretient avec l'erreur. Donc, rapport conflictuel, ce qu'on va dire rapport dialectique, vérité, erreur. Bien, ce qu'on a
mis pour la notion de vérité va logiquement avec l'erreur. Si vous avez ce résumé, vous pouvez répondre à la question, qu'est-ce que nous avons vu au thème 3? Nous avons voulu comprendre les rapports qui existent entre la logique et la connaissance. À travers quatre notions fondamentales. La logique, la connaissance, la vérité, l'erreur. Et chaque notion soulève des problèmes spécifiques qui sont là. Et lors du traitement d'un sujet de dissertation ou de commentaire de texte, vous aurez affaire à trouver des problèmes philosophiques, des problèmes que soulève le sujet à phrase, à une phrase qu'on appelle le sujet de dissertation, à question directe, ou encore un sujet texte que nous appelons commentaire de texte philosophique. Ici, ce que nous avons fait, ce n'est qu'un rappel de ce que nous avons vu. Et ce rappel des connaissances vues va nous amener à découvrir ce que cette leçon nous réserve. Les différentes acceptions des concepts nature et culture. La logique et la connaissance sont... La logique et la connaissance est un thème qui met au cœur de la réflexion l'homme. Mais ce même homme qui veut maîtriser le discours pour atteindre la vérité, cet homme qui veut se libérer ou atteindre le bonheur par la connaissance, cet homme vit dans un environnement. Et cet homme crée des biens utiles à son existence. Cet homme crée des valeurs. Cet homme ajoute quelque chose à ce qui existe. Alors, cela va nous amener à décortiquer les concepts de nature et de culture. Sans plus tarder, pour qu'on avance, qu'on essaie d'enlever ce qui est là. Rapidement. Nous avons le concept nature. Nature. Quelqu'un connaît sa vraie signification originelle, c'est-à-dire son sens étymologique. Et le mot étymologie vient du latin. Non, vient du grec étymos et logos. Le mot étymologie vient de étymos. Tu veux dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, et puis ce qui est vrai depuis son origine. Et vous avez logos. Ah, tout le monde connaît logos. Ça veut dire. Discours, parole, quoi encore? Discours, parole. En grec, logos, c'est aussi quoi? Savoir, c'est aussi? Mais c'est aussi raison. Donc, quand on dit sens étymologique, donc la signification par rapport à la vraie signification par rapport à son origine. Quelle origine? Linguistique. Voilà pourquoi on va se poser la question. Le mot nature vient de quelle langue? Du latin. Et en latin, c'est quel mot? Natura. Du latin, natura. Du latin, natura. Mais qui dérive toujours du mot latin, natus. Natus. Et le mot natus a plusieurs
signification, mais la signification immédiate, c'est le verbe naître. Le verbe naître. Venir au monde. Naître. Donc, le mot nature a plusieurs significations. Le premier sens du mot nature, c'est que il est synonyme de la nature en général. La nature en général. Et la nature en général, c'est quoi? C'est ce que toi et moi appelons l'environnement, bien sûr. Et l'environnement est l'équivalent de quoi? Ce qui nous entoure, l'écosystème, ou encore quoi? On prend les mots simples. Environnement. Oui. La société. Oh, prenons des termes plus englobants. Milieu. Espace. Bref. Ça, c'est le premier sens. Et en tant que nature en général, nous avions le milieu physique et matériel. Où on trouve les astres, donc les planètes, les étoiles, on trouve les humains, on trouve les montagnes, les forêts, les mers, les océans, quoi encore, les montagnes, tout ce qui existe de façon physique, de façon matérielle, autour de nous. Nous-mêmes aussi, nous sommes des éléments de cette nature en général, de cet espace, de cet écosystème, pour parler comme votre collègue. Mais il y a aussi un autre sens du mot nature, du concept nature, c'est lequel? Nature héréditée. Non, nature comme hérédité. Nature comme hérédité. Ici, la nature veut dire l'ensemble des caractères biologiques que nous héritons de nos parents. À ce moment, on peut parler de morphologie, on peut parler de physionomie, on peut parler de ce qui nous rapproche de nos parents, de nos géniteurs. Quand quelqu'un connaît votre famille, vos géniteurs, ce qui vous ont mis au monde, ou bien vos grands-parents, dès qu'ils vous voient, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Vous ressemblez à tel monsieur, à telle personne, parce qu'il retrouve des traits de caractère, des signes particuliers dans votre physique qu'il a trouvé aussi auprès d'un proche, parent. Même dans votre gestuelle. On va dire, mais tu regardes, tu marches comme ton oncle. Oh, mais tu parles comme ton père. Ah, mais tu es souvent nerveux comme ta maman. Vous voyez? Mais parce que ce sont vos parents. En fait, ici, au niveau de l'hérédité, nous héritons des caractères par, entre guillemets, les liens de sang. Voilà pourquoi c'est hérédité. Mais nous avons aussi, donc ici, nous avons les caractères biologiques. Les caractères biologiques qui vont nous amener à la morphologie. À la physiologie. Mais nous avons enfin une troisième possibilité. C'est que le mot nature est aussi synonyme. Le concept nature est aussi synonyme d'essence. Essence. Essence. Essence comme propriété intrinsèque. Essence comme ce qui vous rend particulier, différent des autres. Donc, des traits de caractère qu'on ne trouve que chez vous, qui vous distinguent de moi, qui vous distinguent des autres. Ici, au niveau de l'essence, nous avons les traits distinctifs. Ou encore les signes par lesquels on peut vous reconnaître ou vous différencier des autres.
Pour prendre un exemple, il y a un cahier ici. Mais est-ce que tous les cahiers que vous aviez ont les mêmes signes distinctifs? Il y a ceux qui ont des petits cahiers, d'autres ont des gros cahiers. Et on peut reconnaître un cahier qui appartient à X ou Y. Bref, il y en a encore d'autres contenus qu'on peut attribuer au concept nature. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. La nature a plusieurs contenus. Voilà pourquoi on dira le concept nature est polysémique. Le concept nature a plusieurs significations, plusieurs sens, a des multiples connotations, a une diversité, bénéficie d'une diversité de contenus. Donc, le contenu du concept nature est divers ou encore multiple. On peut parler de la multiplicité de significations du terme, du concept nature. Voilà, en gros, ici, on dira, il y a polysémie ou encore pluralité de signification ou de sens. De signification. De signification. De signification. Voilà en gros ce qu'il fallait retenir. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on peut avancer? S'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez bien compris, oui? Mm-hmm. Sous quel angle le mot peut avoir beaucoup de définitions? Ce n'est pas un problème de langue. On dit polysémie. Ici, vous avez le mot grec poly qui veut dire plusieurs, nombreux, beaucoup. Et dans sémie, vous avez sens, donc signification. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va même voir maintenant. Nous avons le petit 1. La définition. De la nature. La définition de la nature, bien sûr, en insistant sur son caractère polysémique. Retenez bien les idées qui sont proposées ici. Parce qu'après, on va vérifier si vous avez compris. Oui? Dans l'étymologie du mot nature, on a donné le sens de natus, mais pas de nature. Natura veut dire nature. C'est simplement ça. C'est bien. Toi, moi, tu suis. Si on pose une telle question, c'est qu'on est attentif. Ça, c'est encouragé. Est-ce qu'on peut noter, si tout le monde a pris le sous-titre, est-ce qu'on peut noter? La nature est une notion polysémique. La nature est une notion polysémique. La nature est une notion polysémique. On écrit un peu vite. On est comme en terminale, on a appris à abréger certains mots, sauf les verbes. On n'abrège pas les verbes. Peut-être un verbe au présent, si vous avez votre abréviation, ça peut passer, mais on n'abrège pas les verbes, surtout lorsque ces verbes sont conjugués. Sinon, ça va vous embrouiller dans le déchiffrage après, dans la compréhension de vos écrits. On écrit, la nature est une notion polysémique. La nature est une notion polysémique.
Point. La nature est une notion polysémique. Point. Tout le monde est à la page? On avance. Au sens étymologique. Au sens étymologique. Au sens étymologique latin. Au sens étymologique latin, virgule, elle se saisit en double connotation. Elle se saisit en double connotation. On essaie d'accélérer. Nous ne sommes pas des escargots. Au sens étymologique latin, virgule, elle se saisit en double connotation. Ah, le mot connotation. Connotation. Deux points. D'abord, natura, qui désigne. D'abord, natura qui désigne l'univers matériel ou physique. D'abord, natura qui désigne l'univers matériel ou physique. Virgule, c'est-à-dire les océans, les forêts, natura qui désigne l'univers matériel ou physique, virgule, c'est-à-dire, n'oubliez pas le mot c'est-à-dire, est un mot composé. Il y a la préposition a qui est entourée de deux traits d'union. D'abord, natura qui désigne l'univers matériel ou physique, virgule, c'est-à-dire les océans, les forêts, les mers, les savanes, les astres. Les océans, les mers, les savanes, les astres. Les océans, les forêts, les mers, les savanes, les astres. Virgule, etc. Point. Il s'agit tel qu'Emmanuel Kant, qui peut essuyer les écrits qui sont là, parce qu'on doit mettre la citation au tableau. Vous pouvez s'essuyer. Donc on disait, il s'agit tel qu'Emmanuel Kant le dit, de, ouvrez les guillemets, l'existence des choses en tant qu'elles, l'existence des choses en tant qu'elle, l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée
selon les lois universelles. Selon les lois. Selon les lois universelles. Selon les lois universelles. Selon les lois universelles. On ferme les guillemets. Emmanuel Kant l'a dit, l'a écrit dans son livre Prolégomène. Prolégomène. À toute métaphysique. À toute métaphysique. Prolégomène à toute métaphysique future. Soulignez toujours les titres des ouvrages. Après la parenthèse, vous mettez un point. Mettez un point. Donc, tel qu'il s'agit, tel qu'Emmanuel Kant le dit, de l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée selon les lois universelles. Donc, pour... Ah oui, merci. Selon Emmanuel Kant, l'existence dont il est question ici, donc la nature qui existe, c'est celle qui fonctionne selon les lois, les principes, les règles connues par tous, par tout le monde, par tout le genre humain, mais qui est aussi, qui sont aussi valables, ces lois qui sont aussi valables partout. Non seulement connues, mais ces lois sont aussi valables. Voilà pourquoi elles sont générales. Donc cette existence, ici, l'existence, c'est le fait de se manifester. L'action de se dévoiler. Donc les choses se manifestent. Ces choses physiques, ces choses visibles, on peut les voir, on peut les indexer. Mais ces choses sont existantes parce que nous les reconnaissons selon les normes acceptées et reconnues par toute l'humanité, par tous les hommes. Mais quels hommes? Les hommes rationnels, les hommes conscients, les hommes qui sont capables de dire « je » et « j'assume ce « je ». Les hommes qui sont capables de dire « je suis une personne qui pense, je suis un sujet pensant, je ne suis pas une chose, je suis capable de donner un sens à ma vie, donc je ne suis pas seulement, je ne vis pas seulement, mais j'existe parce que je suis capable de donner une orientation, une direction à ma vie, en toute responsabilité et en toute singularité. Voilà pourquoi je suis sujet pensant, parce que je suis responsable de moi, de toi, de vous, de la nature et de tout ce qui est à ma portée, tout ce qui est capable de toucher mon esprit, tout ce qui est capable d'affecter ma pensée. Est-ce qu'on peut continuer? Après la parenthèse, point. Ensuite, virgule, la nature renvoie, ensuite, virgule, la nature renvoie. La nature renvoie aussi au terme latin. Au terme latin. Au terme latin. Natus, au terme latin natus, entre parenthèses, le verbe naître. Natus, naître. Ensuite, la nature renvoie aussi au terme latin natus, entre parenthèses naître, ou nascor, ou nascor, ou nascor, ou nascor.
ou Nascor, qui signifie caractère, virgule, essence. Ou Nascor, qui signifie caractère, virgule, essence. Caractère, essence. Qui signifie caractère, essence. Qui signifie caractère, essence. Vous mettez un point. Dans ce contexte, virgule, dans ce contexte, virgule, elle se définit comme l'ensemble des propriétés. Dans ce contexte, virgule, elle se définit comme l'ensemble des propriétés. Dans ce contexte, virgule, elle se définit comme l'ensemble des propriétés ou traits caractéristiques ou traits caractéristiques permettant de définir un être ou traits caractéristiques permettant de définir un être ou traits caractéristiques permettant de définir un être. Permettant de définir un être. Virgule, une chose. Une chose. Mettez un point. C'est une propriété intrinsèque. Qui connaît la signification du mot intrinsèque? On a dit, c'est une propriété intrinsèque. C'est une caractéristique intrinsèque. Ça veut dire quoi? Une propriété intrinsèque. Qui connaît? Ça veut dire endogène, interne, intérieur à. Ça va? Donc ce qui est intrinsèque est interne, est intérieur, est inhérent. Différent de extrinsèque, le contraire. C'est une propriété intrinsèque à quelque chose, virgule, à un homme, par exemple. Point. À un homme, par exemple. Maintenant, suivez. Avant qu'on aborde le deuxième point de cette leçon, qui peut répondre à la question suivante? Le concept nature a-t-il une signification? Oui. Non. Pourquoi? Oui. Au sens étymologique, la nature désire. Non, ne va pas dans les détails. Qui a compris ce qu'il a dit? Très bien, qui a compris ce qu'il a dit? Qui peut redire avec son français, avec ses mots, ce qu'il a dit? Oui. Le mot nature a plusieurs significations. Et que veut dire le mot polysémique? Que veut dire, oui? Polysémique veut dire plusieurs sens. Polysémique veut dire plusieurs sens ou encore plusieurs significations ou encore plusieurs définitions ou encore plusieurs. Oh, ça roule là. Encore plusieurs. Non, 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 non. Orientation. Non, pas orientation. Contenu. Oh, qu'ils sont merveilleux. J'ai envie de continuer d'enseigner. J'allais m'arrêter là. Mais puisque vous m'avez donné envie, voyons quand même le deuxième point. Le deuxième point
concerne le terme, le concept culture. Si nous avons dit que le terme nature a plusieurs sens, il est polysémique. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est la même chose avec le concept culture? C'est ce qu'on va vérifier. Donc vous écrivez petit 2. La définition de la culture. La définition de la culture, nous allons aussi insister sur la pluralité, la multitude, la kyrielle de contenu que regorge le concept culture. Est-ce que tout le monde est à la page? Y a-t-il quelques tortues ici pour qu'on les attende? Bien, comme il n'y a que des timons, comme dans le dessin animé Simba le roi lion, il n'y a que Pumba ici, qui sont ultra rapides, à leur manière bien sûr. Le mot culture, donc on écrit, la culture a un sens polysémique. 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 Point. Elle désigne en son sens étymologique. Elle désigne en son sens étymologique. Ça vient du mot latin cultura. Elle désigne en son sens étymologique cultura. L'action ou la manière de cultiver. L'action ou la manière de cultiver. L'action ou la manière de cultiver. Je m'arrête là. Avant d'avancer, une question qui peut nous donner une signification du concept nature, culture plutôt, qui peut nous donner une signification du concept culture. Si on ne comprend pas, je repose la question. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot? Qui peut nous donner une signification? Oui. Oui. Ah, mode de vie de tout un chacun ou mode de vie de tout un chacun. Enfin, mode de vie de chaque homme ou de tout homme. Mode de vie de tout homme ou d'un peuple. Qui pense autrement? Oui. La culture,
est un ensemble de connaissances qu'on acquiert au fil du temps. Est un ensemble de connaissances qu'on acquiert. Est un ensemble de connaissances qu'on acquiert au fil du temps. Oui. Ou encore dans le temps. Autre proposition? Oui. Ah, la culture, c'est ce qui reste. Ce qui reste quand on a tout oublié. Ce qui reste quand on a tout oublié. Quand on a tout oublié. Oui, y a-t-il autre chose? On a dit plusieurs, même si nous avons déjà plusieurs. Arrivons quand même à quatre. Ah, le genre féminin ne parle plus parce que le mois de mars est fini. Quand même, une réaction féminine, ça nous fera du bien. Tu n'as jamais entendu parler du mot culture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux ajouter pour prouver à ces musclés que aussi les femmes ont des muscles, mais intellectuels? Tu peux nous proposer quelque chose? Au moins tu adhères à une des propositions qui est au tableau. Laquelle? La première. Donc, selon toi, la culture est un mode de vie de tout homme ou de tout peuple. Y a-t-il autre chose? Bien, je vais prendre un exemple. Non loin du milieu où nous nous trouvons, il y a des maraîchers qui travaillent. Que font-ils? Que font-ils? Oui? Ils cultivent quoi? Oui? Le sol, la terre. Voilà pourquoi il y a le mot dérivé, cultivateur, parce qu'il cultive la terre. Est-ce que pour eux, on ne peut pas parler aussi de culture? Et comment on va exprimer cela, oui? La culture, c'est l'ensemble des biens qui leur produisent. Oui, garde ça, on va noter. Donc, on prend d'abord pour les maraîchers, oui? Action de cultiver la terre. À ce moment-là, on pense aux activités agricoles. Et quelle était ton idée? La culture, c'est l'ensemble des biens que l'homme produit pour ses... C'est une bonne idée, mais utilise le petit mot mais qui a le sens fort dans ta phrase, le dernier mot qui manque. Par exemple, maintenant, comme nous sommes en philosophie, le mot « vie », on ne peut pas le remplacer? Oui? Bien sûr! Oh, mais toi, tu es extraordinaire! Donc, reprends cette phrase, c'est ensemble, l'ensemble, des biens produits par l'homme durant son existence. Bien, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter là? Bien, par rapport à ce qui est au tableau, nous avons quelques significations, quelques sens, quelques connotations qui traduisent le fond du concept culture. Est-ce que parmi ces sens, il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des propositions qu'on peut mettre ensemble? Lesquelles, par exemple? La culture
est le mode de vie de tout homme ou peuple. La culture est l'ensemble de connaissances qu'on acquiert au fil du temps. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ici, la culture, c'est l'action de cultiver la terre. La culture, c'est l'ensemble des biens produits par l'homme durant son existence. Oui. Est-ce que parmi les cinq significations du sabbat, il y a des significations qui peuvent fusionner, qui peuvent être mises ensemble? La première ou la troisième? La première ou la troisième? Tu peux les lire? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la même chose? Bien, ici, on pense à quoi? Ici, la culture, c'est une mémoire. Une mémoire. Ici, nous faisons allusion à la mémoire. Puisqu'on a oublié, mais il y a le souvenir. Il y a un reste dans notre cerveau. Il y a un reste dans notre conscience. Il y a un reste. C'est la mémoire. Oui. Il y a deux derniers qui mettent la chanson. Oui, en quel sens? L'ensemble de cultiver la terre et l'ensemble des biens produits par l'homme durant son existence. Ah! Qu'est-ce qui vous fait consommer? Dans le sens où l'action de cultiver la terre fait partie des biens que l'homme produit alors que l'homme existe sur la terre. Oui, dans un sens, mais sauf qu'on peut aussi les laisser comme tels. Ici, il s'agit des activités agricoles, du travail manuel de la terre. C'est bon? Et ici, nous avons parmi les biens, tout n'est pas matériel, donc c'est des biens spirituels, tels que ce que nous faisons. Dispenser la matière. Mais c'est un bien qui n'est pas physique. C'est bien. Produit par ceux qui nous ont précédés. Et nous, nous continuons, nous perpétuons la tradition. Oui, la tradition pédagogique, bien sûr. La tradition enseignante, oui. La deuxième et la troisième. Ensemble de connaissances qu'on acquiert au fil du temps. Oui, dans un sens. Bref, ce qui était plus important, c'était de vous amener à comprendre qu'on ne peut pas définir le terme culture dans un seul sens, dans une seule direction. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'on peut passer? Oui, bien sûr. Donc, on note. Au sens traditionnel et sociologique, je me tiens moins au sens traditionnel et sociologique. Accélérer, un peu vite, au sens traditionnel et sociologique. Au sens traditionnel et sociologique. Au sens traditionnel et sociologique. Au sens traditionnel et sociologique, c'est-à-dire selon la signification liée à la tradition, c'est aux us et coutumes, et à la société, donc à la sociologie, la science des comportements et des masses, des groupes d'hommes. Donc, au sens traditionnel et sociologique, et traditionnel ici, c'est aussi au sens ancien, au sens archaïque. Au sens traditionnel et sociologique, virgule, la culture se définit comme l'action d'implanter, en tout cas écrivez vite. Écrivez vite. Au sens traditionnel et sociologique, virgule, la culture se définit comme l'action d'implanter. L'action d'implanter. L'action d'implanter. Virgule, de cultiver le sol.
l'action d'implanter, virgule, de cultiver le sol. Donc ça, c'est le plus ancien sens. Donc la connotation la plus vieille. La culture, c'est l'action de travailler la terre ou le sol. Au sens traditionnel et sociologique, la culture se définit comme l'action d'implanter, virgule, de cultiver le sol, point. Elle embrasse, à cet effet, elle embrasse. Elle embrasse, virgule, à cet effet. Elle embrasse, virgule, à cet effet. Elle embrasse, virgule, à cet effet, virgule, l'ensemble des activités agricoles. L'ensemble des activités agricoles. L'ensemble des activités agricoles. L'ensemble des activités agricoles. Point virgule, c'est le travail humain qui s'exerce par la mise en valeur du sol. C'est le travail humain qui s'exerce. C'est le travail humain qui s'exerce par la mise en valeur du sol. Point. À la ligne, c'est-à-dire nouveau paragraphe. À la ligne, nouveau paragraphe. J'espère que tout le monde a une idée sur le paragraphe. Il faut bien présenter les paragraphes. Avec le style anglophone, quand on dit à la ligne ou bien nouveau paragraphe, on saute une ligne, on vient commencer à la première case de la deuxième ligne ou de la ligne qui suit celle qu'on a sautée. C'est bon? Ça, c'est le style anglophone. Mais avec les francophones, quand on dit à la ligne, c'est-à-dire créer un nouveau paragraphe, peu importe là où on va s'arrêter, quand on dit à la ligne, vous allez à la ligne suivante et vous décalez de quelques cases, 3 à 4 carreaux, et vous commencez votre nouveau paragraphe. J'espère que c'est noté. Comme c'est retenu, c'est une bonne chose. Donc, à la ligne, dans le sens courant, virgule, dans le sens courant, dans le sens courant, dans le sens courant, virgule, la culture s'entend aussi comme, dans le sens courant, virgule, la culture s'entend aussi, s'entend, c'est quel mot quand on dit s'entend? La culture s'entend. C'est quel mot? La culture s'entend. C'est un? Oui, c'est quoi? Quelle est la nature de ce mot? Quand on dit la culture s'entend, c'est un? Un verbe, bien sûr. Donc on n'hésite pas. S'entend. S'entend. Le verbe s'entendre. Et là, c'est un verbe pronominal. La culture, dans le sens courant, virgule, la culture s'entend. Aussi comme le développement de certaines facultés de l'esprit. Dans le sens courant, virgule, la culture s'entend aussi comme le développement de certaines facultés, comme le développement de certaines facultés. Dans le sens courant, virgule, la culture s'entend aussi comme le développement de certaines facultés de l'esprit humain, comme le développement de certaines facultés de l'esprit humain à travers un exercice intellectuel approprié, comme le développement
de certaines facultés de l'esprit humain à travers un exercice intellectuel approprié. L'expression « à travers » s'écrit avec deux mots et le deuxième mot se termine toujours par la lettre « S ». À travers un exercice intellectuel approprié. Approprié. Un exercice intellectuel approprié. Point. Elle devient en ce sens synonyme d'instruction. Elle devient en ce sens synonyme d'instruction, instruction au singulier, virgule, de connaissance ou savoir. De connaissance ou savoir. De connaissance ou savoir. Mettez un point. On va se référer à un document courant, à un usuel, comme il s'agit des définitions, il s'agit des sens. On va convoquer un usuel, un document usuel, le petit Robert. Le petit Robert. Le petit Robert. Définit la culture comme. Définit la culture comme l'ensemble des connaissances qui permet. L'ensemble de connaissances, l'ensemble de connaissances qui permet s'accorde avec l'ensemble des connaissances. Ça va? Si on allait accorder avec connaissance, ça devait être permettre. Donc ici, on a mis au singulier parce que c'est l'expression l'ensemble de connaissances. Et qui est dominé par le premier mot, l'ensemble. L'ensemble des connaissances qui permet de développer le sens critique, de développer le sens critique, qui permet de développer le sens critique. Le goût d'analyse, virgule, le goût d'analyse. Le goût d'analyse. Et de jugement. Le goût d'analyse et de jugement. Le goût d'analyse et de jugement. On ferme les guillemets et on met un point. Que dit le petit Robert? Qui peut lire? Qui peut lire la citation qui est là? Le contenu que le petit Robert nous propose? On t'écoute. Lis pour que tous nous essayons de comprendre quelque chose. Bien. Ici, le petit Robert, c'est un dictionnaire. On appelle usuel parce que c'est un document qu'on utilise souvent, qu'on doit consulter à tout moment, qu'on a besoin de connaître le sens, la nature ou les
connexions, les antonymes, les homonymes, et les prolongements d'un mot. Donc ici, le petit Robert nous propose la culture comme l'ensemble de connaissances qui permet de développer le sens critique. Le sens critique ici, c'est l'esprit de discernement. L'esprit qui permet de distinguer les choses bonnes, mauvaises, discerner, distinguer, différencier le bien, le mal, le faux, le vrai. Le sens critique. Donc, vous n'acceptez pas tout gratuitement. Tout ce qu'on vous propose doit passer au crible du doute, au crible de... doit être revu, doit nous amener au soupçon. On doit soupçonner quelque chose de caché ou de mauvais ou de bien. Bref, il y a toujours un non-dit. Voilà pourquoi on doit douter. Voilà pourquoi on doit remettre en cause. Voilà pourquoi on doit aiguiser le sens critique, le discernement. Le goût d'analyse. N'acceptez jamais tout comme argent comptant. Tout ce qu'on vous propose doit être analysé, doit être examiné, doit être vu et revu en profondeur. Et le goût de jugement. Juger, c'est quoi? Apprécier. Donner son avis. Vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas? Quand je juge, je tranche. Je prends une décision. Donc, la culture vous permet d'avoir ces qualités. Donc, un homme cultivé, selon le petit Robert, doit avoir ces qualités. Ces qualités, donc la, le sens critique, donc le discernement, un esprit d'analyse et d'appréciation. Est-ce que toi qui me regardes, tu es cultivé? Es-tu cultivé selon le petit Robert? As-tu ces facultés? Utilises-tu au quotidien ces vertus? Vous me regardez avec des yeux hagards. Ça veut dire que vous n'êtes pas cultivé selon le petit Robert. Donc vous n'avez aucune de ces trois qualités. Aucune. Ne ressemblez pas aux hommes que j'ai observés ce matin en venant, qui se disputaient et dont le grand monsieur, au ventre bédonnant, bourré d'ascaris et à la barbe des terroristes, disait aux autres, tu me connais, ne soyez pas comme ce monsieur. Parce qu'il lui manque ses qualités. Il lui manque ses qualités. On avance. Vous fermez les guillemets, vous mettez un point. C'est une notion qui englobe. C'est une notion. Ici, une notion renvoie à la culture, bien sûr. C'est une notion qui englobe les croyances. C'est une notion qui englobe les croyances. C'est une notion qui englobe les croyances, virgule, l'art, virgule, la morale, les croyances, l'art, la morale. C'est une notion qui englobe les croyances, l'art, la morale. Essayons d'accélérer parce que le temps commence à nous échapper. Le temps est fuyant. L'unique ressource qu'on ne peut pas dompter, qu'on ne peut pas économiser, qu'on ne peut pas épargner, le temps ne nous appartient pas. Ce n'est pas une denrée à conserver. Le temps. Sauf si c'est le temps, selon Bergson. Sauf si
c'est le temps de la conscience. Sauf si c'est le temps de l'esprit. Mais revenons au temps scientifique qui nous échappe, qui est toujours là, qui est toujours là-bas, qui est toujours ici et ailleurs en même temps. Le temps, disais-je, ne nous appartient pas. C'est une notion qui englobe les croyances, virgule, l'art, la morale, le travail, la technique, l'art, la morale, le travail, la technique. L'art, le travail, l'art, la morale, le travail, la technique, mettez des virgules, la technique, la religion. Je n'ai pas dit ré, religion. Il n'y a pas d'accent aigu. La religion. Virgule, les lois, la technique, la religion, les lois et les autres dispositions acquises. Et les autres dispositions acquises. Et les autres dispositions acquises par l'homme dans la société. Et les autres dispositions acquises dans la société. Et les autres dispositions acquises par l'homme dans la société. Point. Tout le monde est à la page? On peut accélérer? Et les autres dispositions acquises par l'homme dans la société. Point. La culture peut renvoyer à une sorte de civilisation. La culture peut renvoyer à une sorte de civilisation. La culture peut renvoyer à une sorte de civilisation. La culture peut renvoyer à une sorte de civilisation. La culture peut renvoyer à une sorte de civilisation propre à un peuple. À une sorte de civilisation propre à un peuple. Point. Elle est proprement humaine. Vous mettez un point. Elle est proprement humaine. Accélérée. Time is up. Le temps n'a de cesse de partir, de fuir. Il devient comme l'horizon. On ne sait pas s'il est proche, s'il est loin, mais quand même, il est le temps. Je disais, la culture peut renvoyer à une sorte de civilisation propre à un peuple. Point. Elle est proprement humaine. Elle est proprement humaine. Ici, on veut dire que la culture, il n'y a de culture que pour l'homme. Il n'y a pas de culture pour les animaux. Elle est proprement humaine et s'acquiert dans la société. Et s'acquiert, on avait déjà écrit ce verbe, et s'acquiert dans la société par l'éducation et le contact avec les autres. Et s'acquiert dans la société par l'éducation et le contact avec les autres. Et s'acquiert dans la société par l'éducation et le contact avec les autres. Et le contact avec les autres. Point. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas innée en l'homme. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas innée. Qu'elle n'est pas innée en l'homme. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas innée en l'homme. Oui, l'homme naturel. Qu'est-ce que tu entends par l'homme naturel? Il faudrait que je comprenne d'abord ce que tu entends par homme naturel. L'homme à l'état de nature. Ah! C'est une bonne préoccupation, mais sauf que par rapport au temps qui nous reste, si on essaie d'aborder, on ne va même pas finir les deux dernières phrases qui restent pour finir ce deuxième sous-point. Mais c'est une bonne préoccupation. Garde ta préoccupation, ton constat, ton questionnement ou ta question. Quand on verra la deuxième leçon, il y a un auteur qui va t'interpeller.
qui va utiliser le terme, l'expression que tu as utilisée. Donc, on n'a pas fui, mais c'est un problème de gestion de temps. Bien, qu'est-ce que la culture? Qui cultive? Pourquoi nous disons que la culture est proprement humaine? La culture est une invention de l'homme. Elle est l'exclusivité de l'homme. Il n'y a que l'humain qui peut parler de culture. Pas un animal. Pour la simple raison, l'animal n'a pas de conscience, comme toi. Parce que l'animal est et vit. Mais toi, tu n'es pas seulement posé comme la table, tu n'es pas seulement en mouvement, tu ne vis pas seulement, tu ne prouves pas que tu es présent comme l'arbre vit. On peut démontrer que l'arbre vit. On peut démontrer que la poule vit, que le chien vit. Mais toi, tu dépasses le stade des temps de vivant pour revêtir ton statut majeur, suprême, d'existant. L'être qui est capable de comprendre qui il est, quelle est son identité, de donner un sens à sa vie, mais aussi un contenu aux autres. Il est capable de dire « l'autre est ». Est-ce que l'animal peut dire que l'autre est? Est-ce que l'animal peut penser à son avenir? Est-ce que l'animal peut faire le point des actes qu'il pose? Mais l'animal survit au quotidien. L'homme ne survit pas. L'homme pose des actes, réfléchit, et il examine les conséquences positives ou négatives des actes qu'il pose, tout en avançant, parce que le temps est continu. C'est une denrée qu'on ne peut pas conserver. Le temps est toujours fuyant, toujours là-bas, au loin. Bon, gardez vos questions. Parce que le temps, finissons d'abord les parties qui restent. On aura tout le temps. Prenons notre mal en patience. Parce que vos collègues qui vont suivre le cours vont se dire, est-ce qu'il s'est arrêté là ou non? Finissons d'abord. Parce que c'est un cours qui nous concerne tous. Et ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent. Donc nous étions au niveau de la phrase suivante. Elle est proprement humaine et s'acquiert dans la société par l'éducation et le contact avec les autres. Mais si vous lisez bien cette phrase, vous aurez déjà une partie de la réponse. L'éducation. Où est-ce qu'on apprend les connaissances qui nous forment, nous transforment? Où est-ce qu'on découvre les connaissances? On s'informe où? Mais ce n'est pas l'éducation. Ah, l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. Hein? Il y a plusieurs éléments. La première éducation est familiale. Mais il y a aussi la rue. Eh bien, oui, oui, oui. Il y a aussi d'autres milieux. Les médias. L'église. La tradition. L'État, avec ses institutions, t'éduque aussi. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est grâce à l'État. Est-ce que l'animal peut parler d'éducation? C'est propre à l'homme, la culture. Et les autres dont on parle dans cette phrase, ce sont les autres humains conscients. Pas les humains barbares, pas les humains qui vivent selon les caprices de leurs estomacs ou les caprices de leur instinct, mais les humains qui vivent selon les pensées, les humains qui s'élèvent par l'esprit, les humains qui trient leurs émotions, mais pas les humains qui réagissent comme les animaux. Dès qu'il entend le premier cri, le voilà réagir.
comme le maître cannibale, comme le champion du désordre et de la destruction. Mais toi, tu réfléchis. Toi, tu existes. Vous devriez noter qu'il y a une différence entre être, vivre et exister. Voilà. Ce qui nous donne étant vivant et existant. Maintenant, toi qui m'écoutes et toi qui me suis à l'instant T égale zéro, es-tu vivant? Es-tu étant? Es-tu existant? Où te situes-tu? Où? Où est-ce qu'on peut te loger? Ça, l'existence est pour ceux qui sont dans la culture, pas ceux qui sont dans la nature. Mettons un point avec les autres points. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas innée en l'homme. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas innée en l'homme. J'espère qu'on a déjà noté cette phrase. Point, ainsi, virgule, peut-on déterminer dans l'homme une nature spécifique? Ainsi, virgule, peut-on déterminer dans l'homme une nature spécifique? Ainsi, virgule, peut-on déterminer ainsi, virgule, peut-on déterminer dans l'homme une nature spécifique? C'est la question qu'on se pose pour passer à la deuxième leçon. Mais comme le temps est fuyant, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là à l'écrit, mais on n'a pas encore fini la leçon. Parce qu'on s'est posé des questions au départ. On s'est fixé un objectif. Et on doit donc évaluer, c'est-à-dire vérifier si vous avez compris ou vous étiez seulement des téléspectateurs comme les animaux. Prouvez-moi que vous êtes des hommes de culture. Enfin, que vous avez une culture. Que vous êtes dans la culture. Que vous êtes des êtres culturels. La première question est la suivante. Est-il vrai que le concept culture a un contenu pluriel? Est-il vrai que le concept culture a un contenu pluriel? Oui? Au deuxième banc, oui? Oui, c'est vrai. C'est vrai par rapport à quoi? Parce que c'est défini de plusieurs manières. Parce que c'est défini de plusieurs manières. Qui pense le contraire? Qui pense qu'il a tout faux? Qui pense qu'il est loin de ce qu'on a vu? Oui? En fait, moi, je dirais non. Oui? Non. Tu es en train de... S'il s'est défini en plusieurs contenus, c'est que son contenu est pluriel, son contenu est multiple, son contenu est divers. Ça veut dire qu'il y a une panoplie de significations. Il y a une kyrielle de définition. Il y a une richesse inestimable de contenu qu'on peut adosser au concept culture. Oui? Moi, je dirais que c'est vrai par rapport à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit. Le concept culture est polysémique. Oui? Oui, le concept culture est polysémique dans la mesure où il a une kyrielle de définition en partant de sa définition archaïque jusqu'à une définition, je dirais, actuelle. Oui. Et beaucoup de définitions s'ajoutent à ce concept. C'est dans ce sens, on va nous dire que la culture est bel et bien vraie, que cette culture-là, ce concept culture, a une pluralité de définitions.
Bien, maintenant, une question de réflexion à la maison. L'homme peut-il se définir par la culture ou par la nature? Non, à la maison. Va réfléchir, tu vas nous apporter la réponse prochainement. L'homme peut-il se définir par la nature ou par la culture? Une question secondaire. Parler de l'homme à partir des concepts de nature et de culture. Parler de l'homme en termes de nature et de culture. À partir des concepts de nature et culture. N'est-ce pas soulever un autre problème? Définir l'homme à partir des concepts de la nature et de la culture. N'est-ce pas tomber encore dans la difficulté? Finalement, l'homme n'a-t-il pas un caractère problématique? L'homme n'a-t-il pas un caractère problématique? Caractériser l'homme, n'est-ce pas basculer dans l'ambiguïté? L'ambiguïté. Parler des caractères de l'homme, n'est-ce pas gérer une difficulté majeure? Vous allez répondre à ces questions à la maison. Ces réponses vont nous amener à la deuxième leçon intitulée « Le caractère problématique de la nature humaine ». Toutes ces questions se complètent. Donc pour aujourd'hui, avant de s'arrêter, qui peut résumer ce qu'on a vu? Qui peut résumer la leçon grand 1 que nous avions vu? Qui peut résumer? Qui peut résumer en deux phrases par partie? Qui peut récapituler ce que nous avions ici? Qui peut résumer en deux phrases le caractère polysémique de la nature et montrer aussi que la culture aussi a un caractère polysémique? Oui. Nous avons dit qu'on a un thème principal qui était d'abord nature et culture. Mm-hmm. Et dans ce thème-là, ce thème a fait naître un premier point qui est les différentes acceptions des concepts nature et culture. Mm-hmm. Dans ce grand sous-chapitre, nous avons vu la nature et sa polysémie de définition. Nous avons défini la nature dans un sens étymologique et dans un sens attribué par les hommes. Plus précisément. Et nous avons vu aussi le concept culture et sa définition polysémique, et notamment sa définition archaïque et sa définition par rapport au Petit Robert. Bien. Est-ce qu'il a dit l'essentiel? Et nous avons constaté au niveau du concept culture que la culture n'est que propre à l'homme et que les animaux n'ont pas une culture. Bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement différentes acceptions. Le mot acception renvoie au sens, au contenu. Il y a plusieurs contenus qu'on donne ou bien que les concepts nature et culture régorgent. Et on l'a prouvé. Nous partons de la première explication linguistique jusqu'aux explications modernes. Maintenant, ces deux concepts n'existent que par rapport à l'homme. D'où la question qu'on va
j'irai prochainement. Est-ce que la nature humaine est facile à déterminer? Déterminer la nature humaine, est-ce une facilité? Est-ce une difficulté? Parler de la caractéristique de l'homme, est-ce une mince affaire? Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Prochainement, nous verrons la problématique de la nature humaine. Donc, lisez, cherchez les informations sur les auteurs Aristote, Rousseau, Hobbes. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils caractérisent l'homme? Dans comment ils présentent la nature de l'homme? Voilà ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Donc, bon retour à la maison. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Telenanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.